Parole est à monsieur François de Rugy. Merci, monsieur le président. En matière de maintien de l'ordre, la doctrine constante de l'État est de tout faire pour éviter les blessés et plus encore les morts. Et nous savons que les forces de police et de gendarmerie ont à cœur d'agir dans le cadre de cette doctrine républicaine. En ce sens, et quelles que soient les conséquences, les conclusions de l'enquête judiciaire en cours, ce drame marque malheureusement un échec de l'État. Il vous appartiendra, monsieur le Premier ministre, d'en tirer les conséquences, toutes les conséquences. Mais au-delà de l'émotion qui nous étreint et qui a enfin trouvé une expression officielle ce matin dans une intervention du président de la République, nous devons nous interroger sur le contexte de ce drame. Dans notre pays, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Europe, des mobilisations citoyennes surgissent contre des projets à l'utilité contestable, qui reposent sur un mode de développement destructeur de nos ressources et inadapté aux besoins d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, avant ce drame, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, avait commandé un rapport d'experts qui est venu confirmer point par point les arguments des opposants. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons aujourd'hui solennellement que l'État prenne là aussi ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur le Président François de Rugy, j'entends évidemment votre question, vos remarques et le ton aussi de votre question. Oui, nous vivons dans un état de droit. Et l'état de droit, il s'applique. Il s'applique quand il s'agit des procédures judiciaires en cours. Et la seule chose que nous devons faire, c'est de nous mettre au service de la justice. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé il y a un instant, et de tout faire pour connaître la vérité. Et aucun d'entre nous, ici ou ailleurs, ne peut tirer des conclusions hâtives avant même, monsieur le député, monsieur le président, de mettre en cause l'État. Même si, face à la mort d'un jeune homme, face à la mort de ce jeune garçon Rémi Fraisse, il y a forcément un échec. Et cet échec, c'est celui aujourd'hui de la société, face également à cette violence que je condamnais tout à l'heure. Monsieur le Président, oui, il y a des projets qui amènent à des contestations. Elles sont pacifiques, elles font partie de notre débat démocratique, on peut le comprendre. Et en même temps, si nous voulons avancer dans ce pays, si nous voulons faire en sorte que les citoyens reprennent confiance dans l'action publique, si nous voulons le réformer, si nous considérons que le progrès est aussi une donnée tout à fait essentielle de notre société, nous ne pouvons pas accepter, et je suis convaincu que nous nous retrouvons là-dessus, la moindre violence. Et je crois qu'un gouvernement
qu'un gouvernement qui considère que l'état de droit, que les lois de la République sont indispensables, ne peut pas céder non plus à la violence. Et donc ce gouvernement ne cédera en aucun cas à ce type de contestation et à la violence. Nous entendons parfaitement les contestations, nous entendons parfaitement les remarques que vous pouvez faire, mais aujourd'hui, plus que jamais, je dois ici affirmer que dans un état de droit, on ne cède en aucun cas à la violence. Et je pense aussi important de rappeler que faut pas centrer que sur l'assassinat de Rémi. Je pense qu'il faut élargir sur toute la merde que peut faire la police. Tous les ans, c'est des centaines de personnes que la police mutile avec des armes soi-disant non létales. Mais quand on balance des grenades sur les gens à tir tendu et à bout portant, faut pas s'étonner qu'on en arrive là. Et tous les ans, c'est des gens qui perdent des yeux, qui se retrouvent avec des éclats dans le corps. Et tous les ans, c'est aussi des gens qui se font tuer par la police. Rapidement, sans qu'on en parle, ça passe bien perdu, tout le temps. On va tout le monde s'en fout. Et au bout d'un moment, faut faire quelque chose, quoi. Faut pas les laisser faire. Et là, avec ce truc-là, cet assassinat qu'il y a eu de Rémi, faut tout faire pour que notre rage, elle se dégonfle pas et qu'elle ait une continuité et que la semaine prochaine, ça repart, qu'il y ait des manifestations ou plus, que, je sais pas, que les lycéens se mettent à bloquer leur lycée, qu'il se passe des trucs sur les facs, qu'on en parle sur les lieux de travail. Et faut en parler autour de nous, etc. Et de toute façon, il y aura des suites, il y aura d'autres manifestations cette semaine. Ce que commande l'état de droit, quand la mort survient dans de telles circonstances, c'est la recherche de la vérité. La justice a été saisie. Elle a désormais besoin de mener, oserais-je le rappeler, dans la sérénité, les actes d'enquête et d'expertise indispensables. Et elle se prononcera, je n'en doute pas un seul instant, en toute indépendance. Et Monsieur le Président Bruno Le Roux, l'engagement du gouvernement à ce que la lumière soit faite ne peut pas être plus clair. Rien ne doit être caché. C'est la position du gouvernement. C'est aussi et d'abord la position du ministre de l'Intérieur, à qui je veux rendre hommage pour son action et pour son sang-froid. Et je le dis à la représentation nationale, je n'accepte pas et je n'accepterai pas les mises en cause, les accusations qui ont été portées en dehors de cet hémicycle à l'égard du ministre de l'Intérieur, qui a toute ma solidarité. Quant aux forces de l'ordre, je tiens à rappeler qu'elles font un travail extrêmement difficile, confrontées souvent à une violence extrême. Et c'est une réalité aussi. Et je le dis aussi à la représentation nationale, avant même qu'une enquête n'ait été conclue, je n'accepterai pas la mise en cause de l'action des policiers et des gendarmes qui ont compté de nombreux blessés dans leur rang. Allez les gars, c'est l'heure de descendre, je crois. Je crois qu'une petite chanson, ça leur ferait du bien. Leur chanter une petite chanson, ça verse, c'est tranquille, on n'est pas pour la violence, crier. Et je n'accepterai pas plus
Et nous n'accepterons pas plus, dans un pays qui est un état de droit, démocratique, on a le droit de manifester, de s'opposer, c'est la moindre des choses, mais je n'accepterai pas ces violences. Et ce qui s'est passé à Gaillac, ce qui s'est passé à Albi, ce qui s'est passé, monsieur le Premier ministre, à Nantes, dans votre ville, c'est tout aussi inacceptable. Il n'y a pas de place dans notre République et dans la démocratie pour les casseurs, et là aussi la justice doit passer. Enfin, il est de mon devoir de chef du gouvernement d'en appeler à l'apaisement. Vous l'avez fait, monsieur le Président. Face à un tel drame, chacun doit faire preuve de responsabilité, mais aussi de dignité. C'est la seule attitude possible. Quand on est un responsable politique, quand on est un élu, on ne peut pas faire de déclaration à l'emporte-pièce. On ne peut pas désigner des responsables alors même que la justice n'a pas terminé son travail. La mort d'un homme dépasse tous les clivages, toutes les oppositions, et j'en appelle à la tempérance et à la décence, par respect pour la famille de ce jeune, par respect vis-à-vis de ce jeune homme. C'est ainsi, je crois, que nous serons utiles, et c'est ainsi que, face à ce drame, nous rassemblerons tous les Français. Ne laissons pas le silence retomber, n'oublions rien. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2014, un manifestant est mort sur la zone à défendre du Testet, dans le Tarn. L'autopsie ne laisse pas de doute. C'est une grenade assourdissante utilisée par les CRS qui l'a tué dans une émeute où les opposants au barrage des Sivens n'avaient que des pierres, des feux d'artifice et des barricades pour se défendre face à une police suréquipée, surprotégée et surarmée. Cette nuit-là, les forces de l'ordre frappées au nom d'un projet mégalomane dont l'inutilité pour la population ainsi que la dangerosité pour l'écosystème local a été plus que démontrée, mais dont l'abandon ferait perdre trop d'argent à l'État et aux investisseurs. Cette nuit-là, le caractère prétendument non létal des armes anti-émeutes a volé en éclats et la violence de ce système a refait surface. Alors combien de morts faudra-t-il encore pour que l'on arrête de pardonner ces crimes à l'État censé nous protéger? Après Abdelhak Goradia, mort en août 2014, dans des circonstances douteuses lors de son expulsion en fourgon de police d'un aéroport, combien de personnes la police devrait-elle encore tuer pour qu'on décide de subir sa barbarie? Comment peut-on encore accepter ce système qui tue et renforce jour après jour l'étau sécuritaire pour protéger les possédants? Vas-y, appelle les flics, appelle les flics. Monsieur le député Philippe Folliot, je voudrais répondre simplement et avec une profonde sincérité à votre question. D'abord, dans la continuité des propos tenus par le Premier ministre, je voudrais avoir une pensée pour le jeune Rémi Fraisse qui a perdu la vie à l'occasion des événements que l'on sait qui se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche.
quand on a la responsabilité qui est la mienne dans un gouvernement et qu'on est confronté à des événements de ce type, on ressent au plus profond de soi-même une blessure et une immense compassion pour les parents, pour les amis qui sont aujourd'hui dans un incommensurable chagrin. Et cette peine, ce chagrin nous oblige. Il nous impose un devoir moral, celui de la vérité. Le Premier ministre a rappelé à l'instant que le gouvernement était déterminé à faire en sorte que toute la lumière advienne sur ces faits. Et je veux vous confirmer que dans la responsabilité qui est la mienne, sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, je ferai tout, absolument tout, pour que l'on sache. Et il y aura des expertises qui seront rendues au terme des travaux conduits par la police scientifique et technique, au terme desquels je demanderai à ce qu'une inspection administrative soit engagée pour qu'on détermine la chaîne de commandement au moment de l'engagement de la force et que l'on puisse compléter le travail de la justice, d'un travail qui permette de corriger ce qui doit l'être. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le travail fait par les forces de l'ordre. Quand on est contre la violence, on est contre toutes les formes de violence. Il n'y a pas ceux qui sont légitimes à la subir, les forces de l'autre et les autres. On est contre toutes les formes de violence. Et je veux dire que 56 policiers ont été blessés, que 81 procédures judiciaires ont été ouvertes et que dans le contexte qui prévaut, la responsabilité doit l'emporter, la mesure aussi. C'est la meilleure manière de respecter la mémoire de celui qui a perdu la vie ce week-end. Thank you.